Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Clibout et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc pour la présentation d'un nouveau jeu qui devrait durer 5-6 minutes. Donc ce jeu est déjà sorti plus longtemps, c'est Realm of the Mad God. Donc le lien de téléchargement est dans la description, c'est un jeu flash, donc voilà. Il est aussi disponible sur Steam, donc sur Steam c'est simple, vous tapez dans la barre de recherche Realm of the Mad God. Et donc de toute façon le nom sera dans le titre ou dans la description, on ne sait pas. Et donc c'est un jeu rétro, vous comprendrez tout de suite, voilà les graphismes déjà. Donc on a un petit personnage, donc vous avez plusieurs classes. Vous avez le rogue, l'archer, le wizard, le prêtre, et warrior. Et en fait, ensuite il y a d'autres classes que vous pouvez pas avoir pour l'instant. C'est parce qu'en fait, regardez, imaginons que vous voulez avoir le knight, faut monter level 20 par exemple le warrior. Donc vous comprendrez tout de suite pourquoi. Faut réussir à monter level 20 et vous débloquerez le knight. Ou alors vous payez. Donc à vous de voir. Personnellement, je pense que le jeu peut être totalement faisable avec quelqu'un qui joue à peu près régulièrement, une fois par jour, un truc comme ça. Et qui est persévérant, je pense. Ça c'est totalement possible. Donc vous pouvez, donc il faut savoir que vous avez qu'un seul slot de personnage, c'est à dire vous pouvez avoir qu'un seul personnage sauf si vous payez 600 gold, je sais plus comment ça s'appelle, ces petits items jaunes là, des gold en gros, et vous ne pouvez pas en avoir autrement qu'en jouant ou en débloquant des coffres. Donc une fois que vous faites play, vous arrivez sur ce petit monde et vous voyez déjà rien que les graphismes, c'est ultra rétro et qu'il y a énormément de personnes qui y jouent. Voilà, donc évidemment moi j'ai commencé à jouer, j'ai joué à peu près 13 minutes, 15 minutes et j'ai à peu près compris le système, donc il est pas très dur. Donc ici on a des shops, hein, voilà, les gens qui viennent poser leur petit shop pour pouvoir, pour que vous puissiez acheter des trucs pendant qu'eux ils ne sont pas là, ils sont partis. Donc là par exemple, là aussi, donc là c'est des shops faits, prédestinés par le jeu. Et donc voilà, et donc ici vous pourrez venir chercher vos armes, vos armures et tout ça, histoire de vivre le plus longtemps possible. Alors ici, dans l'eau, vous pouvez voir à certains endroits dans l'eau. Ici par exemple, ce sont des fontaines, c'est que quand vous finissez un donjon, quand vous sortez d'un donjon, et que vous n'avez plus de vie, vous venez ici et ça vous régène de la vie. Après, voilà. Donc c'est ultra rétro, c'est un jeu flash, donc c'est même pas du Java, hein, c'est du flash carrément. Oula, ici il y a une accélération. Et donc ça veut dire forcément vous avez très peu de ressources à demander, et donc c'est un jeu que tout le monde, enfin si vous arrivez à télécharger Steam, que tout le monde peut jouer. Je sais même plus s'il est disponible hors Steam, mais je pense que oui. Et voilà, donc ici on a l'arène, donc l'arène du PVP quoi, mais malheureusement ça coûte de l'argent et je peux même pas encore y participer parce que j'ai vraiment très peu d'argent. Ici on a les donjons publics, j'appelais ça comme ça, c'est les donjons où tout le monde peut jouer. Et vous voyez, il y a un certain nombre de places, voilà, une petite fontaine de vie encore ici. Ici on a le ici là, on a un petit livre là qui nous permet de créer une guilde. Donc vous voyez, il faut avoir 1000 de trucs comme ça que vous gagnez quand vous gagnez, quand vous mourrez, et vous en gagnez. Plus vous allez en fait accomplir de choses pendant votre vie en fait, et à votre mort vous gagnerez beaucoup plus de trucs. Et ça c'est vraiment très intéressant, et vraiment je pense que c'est pas hyper dur à avoir. Donc ici on a des petits boucles, là je sais même pas à quoi ils servent là dans le coin, chaque coin vous voyez ici, 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 il y en a. Donc voilà, vous comprendrez tout de suite le système de jeu une fois que je vais vous présenter en fait. Dans un petit donjon, pas très longtemps parce que je suis vraiment faible. Et il faut savoir qu'en fait, une fois que vous allez crever, donc vous allez jouer et vous allez crever. Et quand vous allez mourir, votre perso sera delete et vous devrez recommencer avec un autre personnage. Donc ça c'est vraiment, je dirais, rageant quand vous êtes bien avancé. Mais c'est un peu le système du jeu. Le but c'est vraiment de tenir longtemps et d'être le plus fort en fait. Ici je sais même pas à quoi ça correspond, ça correspond peut-être aux meilleures personnes du jeu ou les personnes qui meurent, je ne sais pas. Voilà, donc les contrôles sont faciles en fait. Si vous faites échappe, vous allez juste partir du plein écran, donc ce n'est pas échappe, c'est ici les options, donc le haut autrement dit, et vous pouvez changer tout est programmable.
Donc les hotkeys et tout ça. Donc là c'est pour les slots de vos inventaires qui sont ici. Je vous explique l'interface juste après. Excusez-moi si vous avez entendu un peu de bruit de chat. Les graphismes, donc perso moi j'ai tout mis. Hein. Parce que c'est vraiment pas très très compliqué. Ça faut pas changer parce qu'après moi j'ai jamais compris. Voilà. Bref, donc le seul souci, on va dire que je peux pas mettre de son parce que on peut pas réduire le son si vous voulez. Si je mets le son, normalement vous m'entendrez beaucoup moins parce que le son est beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça que je désactive. Je suis désolé que vous ayez pas la musique, même si elle est très entraînante et très sympathique. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir la mettre parce que là je sais pas comment réduire le son en fait de Windows du jeu, donc tout simplement. Alors ensuite l'interface, on va parler. Donc ici je ne sais pas ce que c'est, il faut vraiment que je découvre. Je suis encore en pleine découverte comme vous. En haut vous avez la map, donc la map où vous trouvez, hein, il y en a, la map se trouve dans, donc ici c'est en fait le nez, un truc comme ça, excuse-moi, là vous avez dû avoir une petite coupure, donc vite fait je vais remettre ça, hop voilà, des petites coupures comme vous avez pu avoir des petites coupures, c'est tout à fait normal, j'ai quitté le fond d'écran parce que j'ai fait échappe, bêtement, donc voilà. Donc ensuite ici on a la vie, donc ici j'en ai 0 sur 50 parce qu'en fait on est dans le, comme je vous disais, dans le Nexus, je sais plus comment ça s'appelle ici, enfin c'est l'home quoi, le menu. Ici on a les HP, donc 100, 130 pour l'archer, hein, donc comme je vous ai montré moi je joue archer, hein, vous avez pu remarquer. MP donc c'est votre barre d'action, c'est comment dirais-je, votre mana en gros. Et en fait, vous pourrez, donc clic droit, vous voyez, vous tirez des flèches comme ça, vous pourrez rester appuyé hein, sur le clic, donc ça c'est sympa. Et vous pouvez ensuite faire espace pour tirer votre attaque spéciale, en fait, on va appeler ça comme ça. Et donc voilà, sauf que ça utilise beaucoup de mana, de MP. Quand vous êtes archer, donc je connais pas trop les autres classes, j'ai joué un peu Wizard que j'ai monté level 2. Et je suis mort juste après, donc vous voyez, je suis pas très fort. Mais bon, en gros, voilà. Donc on va faire le seul niveau que j'ai découvert, donc je crois que c'est Cyclope, il est déjà plein je crois, donc on va prendre celui-là. Donc dès que vous passez à côté d'un petit endroit comme ça, vous cliquez sur Hunter, et vous rentrez dans le niveau. Donc là on voit mon petit personnage qui marche, Realms of the Mad God, et là tout le monde apparaît ici. Et vous avez la map qui se découvre, et là vous voyez, vous avez les petits monstres qu'il faudra buter. Et le but ce sera de monter plus rapidement possible level 2. Vous avez des boss, des quêtes, les quêtes seront signifiées, vous aurez des gros trucs sur vos maps. Oh attention, la reine scorpion et tout ça. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et faire un peu le jeu. Alors évidemment vous aurez des monstres beaucoup plus puissants, des boss et tout ça. Donc voilà, ici regardez Scorpion Queen. Donc lui je sais parce que c'est le seul boss que j'ai vu pour l'instant. S'il y avait un mec qui au départ quand on tapait était pas, était normal quoi, il réagissait pas. Et puis d'un coup, pam pam pam, il commençait à nous attaquer. J'ai pas trop compris le délire. Il a lâché aussi, il a fait caca des petits personnages. Donc voilà, donc là on a eu un loot, vous comprendrez. J'espère que je vais pouvoir le rattraper. Donc pour les wizards on s'en fout. Pour les wizards on s'en fout, donc pour l'instant c'est pas un loot intéressant. Vous voyez que la vie bah, j'en perds très peu et j'en régénère rapidement, et donc c'est pour ça, donc vous n'allez pas non plus mourir 300 fois dans la game. Donc en tout cas j'espère que ce petit jeu vous plaira, je vais faire quelques vidéos dessus parce que c'est plutôt fun et je trouve ça marrant. Donc ici on a marché sur un endroit qui nous a permis de découvrir un portal, une antre en fait de monstres donc là l'antre des pirates hein. Donc voilà, c'était l'antre des pirates. Et donc voilà. Sauf que moi j'y vais pas, je préfère rester avec les autres. Au cas où je suis dans la merde, ils pourront m'aider. Hop hop, on détruit les monstres. Et le but vraiment ce sera d'XP très rapidement. Vous voyez, j'ai pris pas mal cher. Donc le but ça va vraiment jouer sur l'esquive et sur la bonne attaque. Donc moi je spam perso l'auto-attaque. Je n'utilise pas trop mon pouvoir pour l'instant tant qu'ils sont pas en groupe. Parce qu'en fait, hop, ça va faire très très mal. Et toute la traînée derrière en fait. Va tuer les gens qui sont à proximité, ça c'est vraiment très très fort. Il n'y a pas possibilité de roulade et ça c'est dommage par contre. Vraiment un petit point négatif, je dirais, une petite roulade ce serait vraiment sympa. Hop, on obtient une autre popo. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. J'ai pas compris trop le délire de ce truc là. Mais normalement je sais pas pourquoi, on peut pas les mettre dans les slots. Mais bon. Allez. Normalement au tutoriel, quand vous ferez le premier tutoriel, vous recevrez un item gratuitement, mais bon, je suis mort une première fois, donc je l'ai perdu cet item, et j'ai dû tout recommencer, et j'ai trouvé une armure une fois, et je suis remort. Donc voilà, et j'ai tenu 12 minutes ici, donc on peut croire que c'est facile, hein, 12 minutes, mais c'est quand même long.
Et donc voilà. Et donc moi je suis pas très bon encore à ce jeu, mais je vais essayer d'entraîner Texas parce que Texas je sais qu'il a Steam. Enfin je le sais parce qu'on a joué à quelques jeux ensemble sur Steam, dont Happy Wars que je vous avais présenté. Et donc je pense que ça peut être marrant. Je vais pas dire non plus que ça va lui plaire, mais je pense que ça peut être marrant à jouer à plusieurs, c'est vraiment très fun. Et voilà. Et donc Realm of the Mad God, jeu vraiment sympatoche. Donc je suis monté level 2. Voilà, je suis monté level 2 et donc voilà, le but sera de jouer. Et excusez-moi, sera de jouer, j'ai eu un petit dérangement, petite coupure je pense, non même pas, allez hop, ça dure 5 secondes. Et le but sera de jouer pour monter le plus vite possible de niveau. Et plus vous montez de niveau, plus ça demandera d'expérience pour monter de niveau, c'est normal. Et donc déjà monter level 20 avec un personnage, ça va être très très dur. Et personnellement, j'essaie de rusher une... De rusher le level 20 avec ce personnage, l'archer, que je trouve est très intéressant. Alors, je pense que je vais vous montrer la classe. Je pense que je vais me laisser tuer, parce que ouais, c'est pas très intéressant. Et je vais vous montrer la classe vite fait, que je trouve bizarre en fait. J'ai pas compris le système. Donc là, voilà. Ici, c'est le boss. Le boss qui fait rien au début. Et ben, il crée un tremblement de terre au moment de sa mort. Et c'est plutôt chiant, parce que l'écran freeze. Et donc, le niveau est gagné, parce que on a battu le boss. Et donc, nous voilà. Arriver au boss, au deuxième boss, donc au deuxième monde de ce monde, et on a gagné, on a fini. Donc voilà, donc on a fini pour le niveau, et maintenant je vais pouvoir vous montrer. Donc ça fait deux fois que je finis, donc là je viens de delete mon perso, et donc là je voulais vous montrer le warrior qui est extrêmement bizarre, je trouve, parce qu'en fait c'est un warrior qui attaque à distance. Je vous montre pourquoi, et regardez, vous voyez, vous attaquez à distance, bon, pas de très loin, mais. Vous attaquez à distance et vous avez une zone en AOE apparemment. Donc voilà. Hop, on va rentrer dedans. On va voir un peu le personnage. Voir un peu ce qu'il peut donner. Et donc voilà. Donc Médusa, nouveau mode. Le nouveau jeu. Alors lui, on peut pas rester spam. Si on peut rester spam. Ça, je crois qu'il fait un peu plus mal que les autres. Mais bon. Rien, ça donne rien. Ah, il a despawn. Hop. Voilà, on se prend... Aïe. Les archers, c'est plutôt chiant parce qu'ils nous attaquent de très loin. Bim. What the fuck? Ah, ça donne un boost vite. Ah, d'accord, c'est un boost. Très bien. Qui utilise toute ma mana, mais oui, bien sûr. Donc voilà. Donc, petite présentation de ce personnage du Warrior. Donc, clairement, je suis pas... C'est la première fois que je joue, donc voilà. Donc là, on a obtenu un anneau pour le Mystique. Donc, une classe qui est pas facile à débloquer. Donc voilà, on va essayer de voir le bandit leader. Donc il a l'air d'être plutôt loin. Donc la map, vous voyez, elle est très très grande. Hein. Il y en a plein, donc c'est vraiment hyper intéressant. Un casque, combat, helm. Allez, on y est bientôt. Hop, on récupère 10 SP. Je pense pas que je pourrais le tuer, mais je pense que je peux essayer de le combattre. Ah bah ils l'ont fini, d'accord, ils l'ont battu. Donc tous les points jaunes, ce sont mes alliés en fait. Donc voilà. Et donc je suis tout seul dans cette zone. Et le but pour d'XP, donc l'XP n'est pas partagé en fait s'il y en a deux qui attaquent quelqu'un. Et que le monstre en fait donne 3 d'XP de base, imaginons. Et qu'il y en a deux qui sont dessus. Et que et ben, il réussit à te buter. Ça donnera 3 ou 2 et pas 1,5 à chacun. Comme ça pourrait être dans la plupart des jeux. Hop, on va se boost. Hein, clairement, là, on va très très vite. Pas mal pour escape, je pense. Bonne mobilité avec un bon DPS. Je pense que ça peut être un bon personnage. Et donc voilà. Et donc je suis mort. Donc je rush, hein, c'est normal. Et voilà, donc vous savez à peu près les monstres que vous avez tués. Et donc là, le Fame, voilà, c'est le Fame, ça s'appelle. Et donc j'ai quasiment rien fait, du coup j'ai pas beaucoup de choses à débloquer maintenant, parce que j'en ai toujours 22, puisque j'ai rien fait. Donc on repart avec l'archer, puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc la suite de Clay's Adventure, pardon, arrivera, je dirais. Je vais pas promettre, mais je pense mercredi. Donc là on est le 5. Donc on est dimanche. Donc mercredi 9. Si je me trompe pas. 7. Non, mercredi 8. Bah voilà. On se trompe. Et donc j'espère que ce sera sorti le mercredi 8. Texas qui va vite faire prendre les vidéos. C'est juste son Camtasia qui bug. Et donc c'est dommage. Pour l'instant. Mais bon, on peut rien y faire. On est obligé d'attendre et puis c'est tout.
Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo, pardon, je vais réussir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Eh bien, petit bonus, les amis. Donc là, je me suis fait un petit peu de stuff. Et je viens de remarquer que nous avons le boss qui est juste là. Et qui va vraiment être énervant. Donc, vite fait, on va remettre. Hop. Attendez, 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 attendez. Je vais essayer de... Voilà, le boss est toujours présent. Donc, on va essayer de le tuer. De nos propres mains. On va essayer de le tuer. Et voilà, on l'a eu, donc petit bonus. Allez, ciao tout le monde.